Moi, je sais faire ça assez méthodiquement. Là, c'est la seule difficulté, c'est que ici, c'est assez variable. Ok, ça part là-haut. C'est long. J'ai déjà plus qu'une minute pour cambrioler. C'est mort. J'ai fait n'importe quoi. J'ai... Parce que j'ai... Il a été généré trop dur. Bon, ici on avait tout pris, hein. Les manettes, tout ça, on avait déjà récupéré. Alors, la salle de bain, je fais le tour rapidement, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a rien. Allez, hop, okay, c'est bon, ça je l'avais pris. Ça je l'avais pas fouillé. La preuve. Ok. Je vais faire cette chambre-là. Cette chambre-là. Non, le globe, je peux pas le prendre. Ok, d'accord. Il me semble qu'il y avait un truc là-dedans, mais vu que... Voilà, c'était foiré. J'ai encore un peu de temps. C'est 22 heures qui reviennent? Ouais, c'est 22 heures qui reviennent. Alors, je sais que j'ai raté une pièce pour le moment, hein, mais pas grave, on la fera lors d'un autre cambriolage. Je vous dis, l'idée, c'est de grind ici. Hein. Bon, ici, c'est le... La chambre du gosse, quoi. Bon. La chambre du gosse, y a rien dedans. Comme ça, on est peinard. Et il me manque cette pièce-là. Est-ce que j'ai le temps? J'ai quelques secondes. Ça vient de juste, ça vient de juste, c'est trop juste. Allez, hop, je me casse. Dix secondes.
Il rentre. Juste avant nous. Bon, parce que je me suis fait avoir au dernier moment. J'ai pas le bon rang, mais ça va. Oui, puis vu que la police a été prévenue, eh ben ouais, mon indice de recherche a dû augmenter un petit peu. Mais je me suis pas fait pincer en soi. Après, il reste les tableaux et tout ça, mais on va y retourner. On va y retourner. En soi, j'ai pas grand chose quoi. Mince, non, ce que je voulais. Bon. C'est que ça fait court hein. Mais j'ai besoin des accès aux chambres. Donc on fait avec. Allez, en espérant que ce soit pas un truc trop dur. Ça va. Ça a l'air d'aller. Bon, on va laisser vers le haut. Non, vers le haut. Attends, vers le bas. Ça peut pas aller. On est bon. Barra toujours de la même manière, ça reste le plus rapide. Ici c'est bon, il me restait tout ce couloir là. J'ai vu un truc, il y a du pognon. Il y avait le téléphone là, mais je l'ai pris. Ça. Ça. Bah écoutez. Je refais le tour rapidement. Ouais, en fait, il y a les tableaux, tout ça. Voilà, par exemple, voilà. Faut que je regarde plus en hauteur, par exemple. Mais. Voilà, que j'ai pas pris ici, j'ai pas vérifié par exemple aussi. Y a rien. Ça, j'avais raté. Écoutez, pique un tableau, hein. Alors, s'il pouvait éviter de me cacher la visibilité, par contre, ça serait mieux, mais. Mais non, mais non, mais non, monsieur. Je ne fais absolument rien de louche. Allez, laisse-moi reprendre ce tableau. Voilà. Oui, si j'aime le contact, ce sera mieux. Et là, je me barre direct. Grand chose. Je crois que je peux la prendre ma compétence là. Ouais. Ah ouais, j'ai 5. D'accord, ok. Ben ouais.
Hein? Électronique niveau 3, c'était pas ça? Électronique niveau 3. Ben, je... Non, parce qu'il faut que je sois niveau 27. C'est pour cela. Donc il faut que j'augmente encore d'un niveau. Je comprenais pas pourquoi, mais oui, il me manque un niveau. Et ben on va faire une autre maison. On va d'abord passer à... je vais regarder au Black Bay, voir si ce que j'ai... Mais ça fait une maison de rincée déjà. Oh oui, j'ai oublié de vendre ça. Et donc il y a une cubra, donc ouais, ok, c'est une cobra à récupérer aussi. J'ai 36 000. Je pourrais m'acheter le nouveau véhicule. Je pourrais tellement m'acheter le nouveau véhicule. Voilà, celui-là, là. Bien envie ça, mais je sais que j'ai avoir besoin de pognon. Welcome back. Welcome back. Oh, il est verrouillé lui. J'arrive à me saouler. Pas grand chose, mais bon. Faut que je... Faut que je regarde, parce qu'il y a des trucs... La micro-pack caméra, par exemple, j'en aurais plus besoin pour le moment. Ouais, le pied de biche, je le garde quand même encore. Non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais ici. Alors, pour le moment, je le mets là. Je le mets là, on verra. Hop. Alors, il y avait la 204, si je dis pas de bêtises, qui est assez simple aussi. Je crois que c'était la 204. N'importe quoi. C'est celle qu'il y avait à côté du parking, à gauche. Ça, la 204. La 204, on va faire le même principe. Alors, non, oui, c'est bien ça. Remarque. Richie Street. La 204. La 204, donc c'est à midi et j'ai 4 minutes. J'ai 4 minutes à midi. Alors, juste, on va arriver à 11 h. Parce que j'ai besoin en fait de...
Lol. Je peux tourner le volant même quand je suis à l'arrêt. 11 h. Ah d'accord, je me suis arrêté un petit peu avant 11 h. Bon, c'est pas grave. Juste parce que j'ai besoin de me rappeler de quoi il s'agit. Parce que là-bas, il y a... C'est ça, faut passer par le... Par une fenêtre. Faut passer par une fenêtre. C'est ça, je me rappelle. Pas de soucis. Juste, attendez. Je vais mettre en pause 2 minutes. Je m'occupe du chat, encore une fois, et j'arrive. Et vous savez, hein, voilà, c'est l'interlude chat toutes les heures. Enfin, toutes les heures, heure et quart, quoi. Voilà. Bien. Dernière session. Voilà, dernière partie de cette session de tournage. Elle va bien. J'ai dit midi, hein. Non, c'est pas ce que je voulais. Quoi que j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. C'est... J'ai dit la 204, hein. C'est ça, c'est midi, c'est midi. C'est midi. Oh, j'ai fait nappe. J'ai fait nappe. J'ai un peu paniqué parce qu'un passant m'a vu. Donc j'ai pas fait attention à la caméra. C'est pas grave, on n'a rien vu. En plus. Ouais, ok, oui. C'est moi qui suis un petit peu bête. On y va. On a quelques minutes. Quitte à faire, on va pas rentrer par la fenêtre habituelle. Va rentrer par une autre fenêtre. Donc, la chambre du gosse. Bon. Pas forcément bonne pioche pour commencer. Parce qu'il y a quasiment jamais rien. Je prends en priorité ce qu'il y a de l'XP. Ok, donc ici, il n'y a rien. Ok. Ici, non. Non. Non plus. Oh! Pas mal ça. Déjà pris. Oui, ça c'était le colis qu'on lui avait laissé. Le routeur. XP. XP. J'avais pris ça ou... Non, j'avais pas ouvert ça. Faut que je prenne l'habitude, ces commodes-là, c'est d'ouvrir d'abord le bas. Ok. Salle de bain, non. Ici. L'ordinateur. Le clavier, on l'avait déjà pris, mais... on l'avait ouvert, le coffre, il me semble. J'ai encore un tout petit peu de temps. Il me semble que pareil, je l'avais... Je l'avais ouvert, donc il n'y a plus rien. Ok, donc l'entrée, c'est bon. Ici, non. Il y a la souris, mais... Ah, on me la demande.
On me la demande sur Black Bay. Hop, cuisine, c'est quasiment fait. Clé USB, je me casse. Donc, à savoir, la chambre du gosse, c'est pas forcément le meilleur plan. Je suis un peu loin. Je vais être j'ai l'alarme qui va sonner. Je le sens. Même pas. Ça va. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, maître Yoda. Oui, j'ai dit que sur Black Bay, il y avait au moins la souris qui pouvait partir. Welcome back. Juste ça. Voilà. Voilà. Tout le reste, tu me le prends. Oh. Bon. Ouais, direct. Pas besoin de retourner à la maison pour le moment. Le collier et le téléphone, je sais que c'est dans la caisse. Ok, donc ben reparti hein, pour même topo. On a dit midi, hein. Ouais, allez, tant pis. Non, mais c'est bon. Donc ici, on a quasiment tout pris. Bon. Allez. Ça, fallait la casser à la base. Ici, c'est bon.
Ici, ouais, ok. Allez, il reste plus que le salon. À revérifier. Ici, je crois qu'il y avait un téléphone à la base. Ce téléphone-là, je peux pas le prendre pour une raison qui m'est inconnue. Là. La batterie, je peux rien prendre. Bon, attends, parce qu'il y a une. Exact. Mais non. T'inquiète. J'ai encore un tout petit peu de temps. Je prends un tableau. J'ai encore un peu de temps. Un tout petit peu de temps, je vais aller chercher une télé. Est-ce que j'ai une télé qui traîne? Y a pas une télé qui, une télévision qui traîne? Allez, une petite télé là. Non? Une imprimante. Bon, je pense que c'est bon. On a suffisamment fait les courses. Est-ce que je peux me barrer? Techniquement, normalement, je peux me barrer par là. J'ai un doute. Alors, on va. Et puis de toute façon, je vais déverrouiller le téléphone que j'ai et tout ça. J'ai une affiche ancienne. L'affiche ancienne, elle correspond à quelque chose. On va voir ça. Avant, je m'occupe du bracelet. Que ce téléphone là être dans autre. Non, antiquité, affiche ancienne. Ouais, il y avait ça là. Vaut le coup.
Boutique. Welcome back. Ouais. Bon, cette maison-là, c'est fait. J'ai pas regardé quel niveau on était. Lucas, je vous ai dit, hein, je vais peut-être continuer, enfin revoir un petit peu la première rue. Parce que, voilà. Bon, cette maison-là, elle est rincée. La 204 quai, la 205. La 205, elle est chaude, hein, il me semble. C'est pas celle avec le garde de sécurité et tout. Ouais, mais elle valait le coup. Elle vaut genre méga le coup. Faut. Attendez. 205. Et ça, Torres. Torres, lui, il y a. C'est que faut y aller à 22 h quoi. Attendez, ou alors avant. Faut pas qu'il soit à l'arrière, faut idéalement qu'il se passe de voilà, qu'il passe de l'avant. Donc avant. Non, donc c'est ça, 23 h. 23 h piscine. Torres, il ressort à. Il sort. En soi, du moment que je suis à l'intérieur, c'est bon, quoi. Après, il suffit juste que je l'évite. Faut juste que je l'évite, en fait. Et lui, faut pas qu'il soit à l'avant de la maison. Faut que je sorte quand il est à l'arrière. Donc, en soi, si je veux, j'arrive à 23 h. Enfin, j'arrive à 22 h. Je me mets à l'arrière, j'attends une minute qu'il sorte. Enfin, qu'il aille à la piscine. Il garde la piscine et. Et l'arrière de la maison. Donc, je m'en fous. Jusqu'à 8 h. Donc, j'ai de 23 h à 8 h sans problème. Et après, il faut juste que je fasse attention à Monsieur Torres, quoi. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, j'ai dit 22 ou 23. C'est déjà plus. C'est ça. Faut que j'arrive à 22 pour qu'à 23. Donc, ok. Non, j'ai cru que c'était une porte, ça, mais non. Non, j'attends une minute ici. Je monte par le tuyau et une fois que je suis à l'intérieur, c'est quasiment open bar. Juste une question. Je peux ressortir par là. Ouais, je peux ressortir. Je peux ressortir par l'arrière si je veux sortir précipitamment. Allez, 10 secondes.
C'est bon. Donc, il est en train de se barrer. La piscine. Moi, faut juste que je fasse attention à cette caméra. Ok, on va commencer. Ben, alors c'est vraiment, voilà, hein, c'est vraiment du pillage. C'est l'expérience. Hein, je suis vraiment là pour l'expérience. Donc, en soi, je m'en fous de. Ok, il y a un iPad là. Il y a un xylophone là, non? Ça intéresse personne? Faut que je fasse attention, je sais qu'il y a. Il y a les caméras, tout ça. L'idéal faudrait que. Ouais, faudrait que je désactive les caméras, mais bon. Alors attendez, ici, salle de bain. Pas grand chose. Je vais passer ici dans le bureau. Juste checker. Je regarde s'il n'y a pas une caméra quand même, mais. Okay. Petit disque dur. Putain, je suis en train de me gaver là. Déjà full. Je suis déjà full. S'il est encore, il faut que je revienne avant 8h. Alors, je vais commencer de toute façon, voilà, par tout ce qui est verrouillé, parce que voilà. Les ordinateurs portables, ça prend de la place. Parce quoi, il me reste 0,5 de place. Commence à être. Commence à être un petit peu restrictive cette voiture. Je sais pas si le camion est mieux niveau caisse devant. Plutôt prendre de. Voilà. Hop. Prends clavier. Pourquoi tu. Allez, prends clavier, allez. Téléphone encore. Il y a combien de téléphones, le mec? Il est pas possible, ce mec. L'horloge, dommage. Parce que je suis sûr qu'elle peut valoir en plus sur le. Enfin, c'est des tout petits tiroirs, ok. Ah non, c'est ok. Ça, il me le faut. Ça, il me le faut absolument. Quitte à lâcher un truc. Juste lâcher la souris. Ça devrait être suffisant pour prendre le livre.
montre là, mais... C'est quoi ça? Bouteille. Je peux pas la prendre. Je suis plein. Bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Il est nul cet agent de sécurité. Bah écoutez, même strat. Chaque fois ça me coûte 6$, mais même strat. Hey hey. Non, puis le livre ancien, ouais, c'est... Je crois qu'il vaut 1400 ou un truc comme ça. Hey, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est beau. Voilà. Ça c'est mon picrachou. 8000. C'est 8000 en plus. Avec toutes les fakes. Ah ouais, d'accord, ok. Je pensais. Ah oui, j'en ai plein aussi dans mon. Faut que je pense que j'en ai plein dans mon. Dans mon coffre. Ah là 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 là. Welcome back. Bah. J'en ai encore un qui est verrouillé. Pourquoi je l'ai pas vu dans mon... Alors, ouais non, l'ordinateur portable, il est verrouillé, je... Ouais, bah en fait, j'ai que du verrouillé, là. En gros. Je vais vérifier, mais... Non, les ordinateurs portables, il veut bien me les prendre en état. Ok. Donc non, il est bel et bien verrouillé. Mais qui est con, pourquoi je la bombe? On y retournera après. Mais c'est tellement une mine d'or la... La 205. Et j'ai vu encore un téléphone qui traînait. Tout ça, enfin. Franchement, abusé le mec. Pas là que je voulais aller. Excusez-moi. Alors, on peut essayer par là. On peut essayer par là. Bon, on verra après. Ici. Ça se présente plutôt bien. Ouais. Hop. Non, plutôt par là.
par là, par là. Si. En bas. Alors, hop, hop, hop. Non, c'est pas ce que je voulais. Eh ben, ouais. J'ai pas regardé à ça. Alors, c'est très gras. Enfin, l'écriture est très grasse, donc j'ai pas. Pas l'occasion de voir. Ouais. Alors des. C'est bizarre, les objets sont écrits avec une flèche, donc c'est comme en PHP. Alors, il y a un autre. Il y a un autre langage qui utilise des flèches pour les objets que PHP. Parce que là, les variables n'ont pas de dollar devant. Et puis, il y a du vocabulaire qui n'existe pas en PHP. Par exemple, struct, ça n'existe pas en PHP. Donc, il y a un autre langage qui utilise des flèches pour les objets. Je sais pas lequel. Intéressant. Je regarde le code qui est à droite, en fait. Hein, le... Et hop. Welcome back. Masse pognon là. 60 000. J'ai de quoi acheter le l'ordinateur. Ah, faut que je regarde mon niveau. 27. C'est bizarre, c'est la même chose. Bon, on verra bien. Je l'ai pas appris. Achète le laptop de hacker. Ok, d'accord. Eh ben, de 60 000, on va repasser à 6 000 alors. Même pas 4 000. Aïe 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 aïe. Dès qu'on a assez de pognon, ça y est quoi. I'll let you in on a little secret. This job right now, that's it. You do this and you're a free man. Break the alarms, take the painting and leave the fake. And don't come back without the real thing. C'est la dernière mission du jeu.
enfin du jeu, la dernière mission de l'histoire en fait. Après on est, après on fait ce qu'on veut et on peut aller jusqu'au bout à faire ce qu'on veut quoi. Bah c'est cool parce que voilà, ça m'aura pris 3 sessions de tournage pour faire l'intégralité de l'histoire. C'est plutôt cool. Presque, hein, parce que voilà, là il me reste moi 20 minutes de tournage là et puis après. Je vais checker mes autres boulots. Oh la vache, puis il me reste plus que ça. Bah écoutez, on va pratiquement avoir touché à la fin du jeu, quoi. Attendez. Alors, attendez. C'est quoi? Alors, la 208. J'ai déjà. Je l'ai le. Mais je l'ai le faux tableau ou. Faut que j'achète. Enfin, c'est quoi les trucs? Non, il y a. Voilà, il y a le dernier. Putain, 120 000. Alors, est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on continue de rincer la 205? J'ai 20 minutes, honnêtement. Je préfère qu'on aille rincer la 205 une dernière fois. Et puis voilà quoi. On avise après quoi. Enfin, on fera la dernière mission après quoi. Si ça se trouve, c'est un gros fake, hein. Si ça se trouve, il dit que c'est la dernière, puis après il fait, ah, en fait, j'ai encore un dernier service à te demander. Là, attendez, parce que je veux savoir. Ok. Non, mais je voulais savoir. Je voulais savoir, donc, quand on fait un accrochage, évidemment, la police débarque. Non, mais voilà, c'était pour le savoir. C'était vraiment pour le savoir, c'était volontaire, hein, bien sûr. Je voulais savoir si c'était game over comme quand on percute un passant en fait. Parce que par contre si on percute un passant, c'est jamais arrivé dans le jeu, même si ça a failli 2-3 fois. Si on percute un passant, c'est game over. Pareil si on utilise notre pied de biche sur quelqu'un, c'est game over. Excusez-moi, je regardais autre chose en même temps. C'est bon, vers la piscine. Excusez-moi, hein. Je répondais à un message. Le temps que ça se passe. On a tout le temps. Honnêtement, on a tout le temps. Pourquoi j'ai fait ça? Oui, la clé de la voiture, mais je m'en fous. Donc, on avait. Ici à vérifier. On avait pris le livre qui était là, mais il me semble qu'il y avait un téléphone qui traînait et du pognon là.
Oui, alors ça c'est une bouteille de pinard. Je l'avais pas tilté tout à l'heure. Le téléphone. Le vase. Et avec ce bureau, nous en avons fini. Non, il reste ça que j'avais pas, que j'avais laissé sur place. Cet ordinateur portable n'avait pas été pris. Cette horloge non plus. Donc en fait, j'ai pas du tout fini avec ce bureau. Enfin, j'avais pas du tout fini avec ce bureau. Il y a ce bibelot également. Oh, qui a de la valeur. Qui a de la valeur. Je réouvre ça parce que j'ai un doute. J'ai encore un emplacement, je crois, dans mon. Donc on va prendre ça. Et là, je suis plus. Mince. Allez. Alors, en fait, on va charger surtout ce qui est le plus gros. Tout ce qui est 3. Tiens, là, il y a un 5. 3. Non. Alors. Ok. Comme ça, au moins. Attendez. Ah, les téléphones, tout ça, ça prend 2 livres. Bon. Alors? La montre en or, ça. Ah non, en argent. Je sais qu'il y a une montre en or quelque part. Chaque fois. Mais il a des téléphones partout, ce mec.